Oh, Seigneur, jusqu'à quand je resterai célibataire dans ma vie? Cela fait des mois et des mois que je recherche quelqu'un de sérieux, et que je n'en trouve point. S'il te plaît, Seigneur, fais-moi la grâce de rencontrer l'homme de ma vie. L'homme que tu as réservé pour moi. C'est en ton saint nom que j'ai prié, Amen. Si la jeune fille qui était venue avant-hier pouvait revenir encore acheter chez moi aujourd'hui, cela me ferait énormément plaisir, car je la trouve super belle, à mes yeux. Si elle pouvait devenir ma femme, cela me ferait énormément plaisir. Bon, je me sens enfin prête. Allez, c'est parti, j'irai faire mes emplettes au marché du coin. Oh. J'ai oublié de prendre ma liste de courses. J'espère que je n'oublierai pas quelque chose quand j'arriverai au marché. Super, je la vois arriver chez moi, cette merveilleuse créature de Dieu. J'ai hâte de lui faire des avances aujourd'hui. C'est le moment ou jamais de passer à l'action. Excusez-moi, demoiselle. Ne voulez-vous pas acheter quelque chose chez moi aujourd'hui? Oui, avec plaisir, monsieur. Oh, chère demoiselle, je vous trouve tellement très belle, à mes yeux. Oh, merci beaucoup, monsieur. C'est quoi votre joli prénom, demoiselle? Moi, je m'appelle Cécile, et vous? Moi, je m'appelle Arcade. Enchanté, Cécile, de faire votre connaissance. Merci beaucoup, Arcade. Enchanté aussi de faire votre connaissance. Pourquoi es-tu venu me voir, David? J'étais venu vous voir à cause de la sœur Cécile. Je la trouve sincèrement très belle, et je souhaiterais la courtiser. Parles-tu de la nouvelle sœur qui était venue récemment dans l'assemblée? Exactement, pasteur, c'est bien d'elle que je parle. J'aimerais bien qu'elle soit ma femme un jour. Oh! Tu sais, mon frère, en ce qui concerne le choix de ta femme, demande plutôt à Dieu de te révéler la femme qu'il t'avait préparée pour ta vie. Ne te précipite surtout pas à te marier avec quelqu'un que tu ne connais pas trop. D'accord, pasteur. As-tu quand même eu le temps de discuter avec elle avant de venir me voir? Non, pas du tout, pasteur. D'accord, je te conseillerais d'aller parler un peu avec elle pour en savoir un peu plus sur elle. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Pas de quoi, frère. Tu as l'air d'être une très belle personne. Merci beaucoup de m'avoir donné ton numéro. Oh, merci beaucoup pour ton compliment. J'espère bien que tu m'appelleras. Oui, Cécile, ça sera avec grand plaisir que je t'appellerai. D'accord. Si et seulement si, je pourrais rencontrer cette charmante dame, cela me ferait énormément plaisir. J'ai bien envie de lui dire ce que je pensais réellement d'elle. Qu'est-ce qu'il est charmant, ce garçon qui venait de me faire des avances? Je suis trop contente. Si et seulement si, on pourrait se voir après, cela me ferait énormément plaisir. Oh! Il me semble que c'est elle qui arrive de l'autre côté. C'est le moment ou jamais pour moi de passer à l'action. J'espère bien qu'elle accepterait notre relation. Yes, j'ai réussi à avoir son numéro. Par contre, ce qui me dérange un peu dans son histoire, est qu'elle m'avait dit qu'elle était une chrétienne. Moi, je ne crois en rien du tout. Et si je la disais que j'étais athée, elle me fuirait comme la peste. Du coup, il va falloir absolument que je trouve une solution par rapport à cela. Je pense que le mieux serait de me déguiser en un nouveau convertir pour pouvoir gagner son cœur. Cela passerait mieux devant elle, comme une lettre à la poste. Comme je te le disais, je suis fou amoureux de toi, et j'aimerais bien que tu sois ma femme. Oh Coco, ne t'emballe pas trop vite. Pourquoi n'attends-tu pas de finir tes études, avant de chercher une femme? Oh, tu sais, je ne m'étais jamais posé cette question. J'ai juste envie d'avoir actuellement une belle silhouette, comme toi à mes côtés.
D'accord David, j'ai compris ton message. Laisse-moi le temps de réfléchir par rapport à ta demande, et je te tiendrai au courant par la suite. Oh super Manon, j'ai tellement hâte de savoir ta réponse. Je te promets que tu ne regretteras pas. Je suis vraiment prêt à faire du sérieux avec toi. Toi et moi serait, vraiment pour la vie. D'accord, et merci beaucoup pour tes mots. De rien Manon, c'est normal. Je t'aime, et je te porte, dans mon cœur. Oh, merci beaucoup. Cela me touche énormément. Allez, à plus tard, bye. Oui, à plus tard, Manon. Mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là au juste? Il n'a pas encore fini ses études, et il me veut déjà à ses côtés. C'est vraiment incroyable. Peut-il bien s'occuper de moi maintenant? Moi, c'est le Loxé, qui m'intéresse. Je le trouve super beau, et très accompli à mes yeux. Je pense sincèrement que lui, pourrait prendre bien soin de moi, et me donner tout ce qu'il me faudrait, pour la vie. Coucou mon Loxé, j'arrive tout de suite. Mille bisous à toi, depuis ici. J'espère bien qu'elle me donnera une réponse positive. Qu'est-ce qu'elle viendra me dire cette fille Cécile aujourd'hui? En tout cas, je l'attends avec impatience. J'ai tellement hâte d'aller me confier chez mon pasteur. Je pense que lui, il m'aiderait mieux à choisir mon partenaire. Allez, c'est parti. Je pense qu'il doit être en train de m'attendre, actuellement. Ah! Je pense que c'est elle, qui venait d'arriver. Oh, sœur, c'est quoi encore cette tenue que tu as mis, pour venir me voir au bureau? Veux-tu me créer des problèmes? Ne vous ai-je pas dit récemment à l'assemblée, de commencer à vous habiller décemment? Et que la parole de Dieu nous recommandait cela? Oui, pasteur. Vous savez, j'ai encore du mal, par rapport à cela. Veuillez vraiment m'excuser pour ma tenue. Priez pour moi, afin, que je puisse délaisser, tous ces artifices. D'accord Manon, que le Seigneur t'aide vraiment à te débarrasser de tous ces artifices. Merci beaucoup pasteur. Alors dis-moi pourquoi tu voudrais tellement me voir? Je voudrais tellement vous voir, parce que j'étais dans un embarras de choix. Vous savez, j'aimerais bien que vous m'aidiez à choisir un bon partenaire pour la vie. Oh, ma fille Cécile, j'espère bien que tu avais pu trouver quelqu'un de sérieux pour ta vie. Que le bon Dieu t'aide et t'accompagne, afin que tu puisses me ramener quelqu'un de bon, avec qui tu pourrais passer le restant de tes jours. En tout cas, je reste confiant. Je sais qu'un de ces quatre, tu me ramèneras quelqu'un. Sans vous mentir, c'est le premier monsieur avec qui je souhaiterais me marier. Il a l'air tellement gentil et attentionné. En plus de cela, il m'avait dit qu'il était chrétien aussi. Nous avons parlé de mariage et il est prêt à s'engager avec moi. Mais j'ai des doutes et je ne sais pas si je devrais me précipiter là-dedans. Tu sais Manon, c'est bien que tu viennes me voir avant de prendre une décision aussi importante. Le mariage est une institution sacrée, et il est essentiel de prendre le temps de réfléchir sérieusement à cette étape de la vie. Dis-moi sincèrement ce qui te fait douter de lui. Vous savez pasteur, je ne suis pas sûr de le connaître, vraiment en si peu de temps. Nous nous sommes rencontrés il y a à peine quelques semaines et il veut déjà se marier avec moi. Je ne veux pas me tromper et regretter cette décision plus tard. Tu as raison de prendre cela au sérieux. Le mariage est un engagement à long terme, et il est important de bien connaître la personne avec qui tu envisages de passer le reste de ta vie. As-tu pris le temps de discuter de sujets importants, tels que les valeurs, les objectifs, et les attentes mutuelles, avec lui, au moins? Nous avons parlé de certains de ces sujets, mais je ne suis pas sûr d'avoir creusé suffisamment en profondeur. J'ai peur que si, je lui demandais d'attendre, et de mieux se connaître, je n'aimerais pas qu'il pense que je n'étais pas intéressé. Tu sais Manon, il est essentiel d'exprimer tes préoccupations et tes besoins dans une relation saine. Si cet homme tient réellement à toi, il comprendra l'importance de prendre le temps de construire
une fondation solide pour votre mariage. Le véritable amour patiente et respecte les décisions importantes de l'autre. Je suppose que j'ai juste besoin d'avoir le courage d'ouvrir mon cœur et d'expliquer mes craintes. Exactement, Manon. N'aie surtout pas peur par rapport à cela. Mais que se passera-t-il s'il ne veut pas attendre ? Si cet homme insiste pour précipiter les choses, sans respecter tes inquiétudes, cela peut être un signe que sa vision du mariage diffère de la tienne. Il est crucial de s'assurer que vous êtes en accord sur les principes fondamentaux qui guideront votre vie ensemble. Souviens-toi, Manon, Dieu a un plan pour toi et il veut que tu fasses des choix éclairés. Oh, merci beaucoup, pasteur, pour vos conseils précieux. Je vais prier à ce sujet et avoir une discussion ouverte avec lui. Je suis rassurée de savoir que je peux prendre le temps de bien réfléchir à cette décision. Je suis heureux d'avoir pu t'aider, Manon. Prends ton temps, prie et écoute la voix de Dieu. Il te guidera vers la meilleure décision pour toi. N'oublie pas que je suis toujours là pour te soutenir. D'accord, merci beaucoup, pasteur. De rien, Manon, c'est normal. Allez, à plus tard, pasteur. Parfait, à plus tard, Manon. Waouh! Cette fille est quand même incroyable. Mais comment peut-elle vouloir déjà se marier avec un monsieur qu'elle avait connu, il y avait quelques semaines? En tout cas, j'espère bien qu'elle a pu comprendre mon message. Je lui souhaite vraiment de prendre patience et de remettre tout cela dans la main du Seigneur. Moi, je n'ai surtout pas envie de perdre mon beau chouchou d'amour. À quoi cela me servirait-il d'attendre encore? Je l'aime fortement et j'ai envie de passer le restant de mes jours avec lui. J'en ai vraiment marre de la vie de célibat. Je veux me marier, un point c'est tout. Le reste on le verra après. Allez, c'est parti, je m'en vais voir mon copain. Au pasteur, comme je vous le disais, Cécile a finalement décliné mon choix. Elle m'avait dit qu'elle ne voulait pas sortir avec moi. Rends gloire à Dieu pour cela, mon frère. Cela voudrait dire tout simplement que ton heure n'avait pas encore sonné. Ne te lamente pas, mon frère. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bon courage à toi pour la suite, et sois fort. Merci beaucoup, pasteur. Entre Cécile et moi, c'est cuit. Je pense qu'elle est maintenant sous mon charme. Allez hop, c'est parti. Je m'en vais la voir dans le parc d'à côté. Je suis tellement heureuse de te revoir, Arcade. Moi aussi, je suis tellement heureux de te revoir. Alors, as-tu réfléchi à la proposition que je t'avais faite? Oui, tu sais, j'hésite un peu. Ah oui? Pourquoi tu hésites par rapport à notre mariage? J'hésite parce qu'on n'avait pas encore eu le temps de bien se connaître. Et je n'avais aussi pas eu le temps de remettre notre relation entre les mains du Seigneur. Oh, Manon, tu n'as vraiment pas besoin de tout cela avant de me dire oui. Toi et moi, on s'aime, et je pense que c'est le principal. Je te promets que je suis prêt à faire du sérieux avec toi. En plus de cela, je suis un chrétien fervent comme toi. Que veux-tu encore de plus? Je ne refuse pas cela. Mais tu sais, mon pasteur m'avait déconseillé de m'engager de sitôt dans une relation pareille. Oh! C'est ton pasteur qui veut t'épouser, ou c'est moi qui veux t'épouser? Je suis prêt à te rendre heureuse pour toujours. Toi et moi, on vivra dans le luxe, pour toujours. Enivrons-nous juste d'amour, et ne laissons pas cette occasion nous échapper. Je pense sincèrement que tu as raison. Arcade, profitons juste du moment présent, et ne nous posons pas trop de questions. Exactement, Manon, tu as tout compris. Merci beaucoup, Arcade, de m'avoir ouvert les yeux par rapport à cela. De rien, Cécile. Malgré tout ce que je lui avais dit la dernière fois, j'ai comme l'impression que Cécile n'avait pas l'intention de m'écouter. En tout cas,
Quand cela se passera mal dans son foyer, maintenant elle comprendra que je l'avais quand même prévenue du danger qu'elle courait. Que le Seigneur l'aide à ne pas tomber dans cette piège. Je venais d'apprendre que le pasteur de Cécile tenait absolument à me voir. Mais qu'est-ce qu'il a au juste à me dire ? Moi je n'ai pas envie de le voir. Je dirai à Cécile qu'on se mariera clairement dans une autre église. Un point, c'est tout. Je suis très content du fait que tu as pu finalement accepter ma requête. Oh, ne t'inquiète pas mon amour, toi et moi, c'est à l'infini. Rien ne pourra encore perturber notre union. Oh, merci beaucoup ma chérie. Je suis quand même un peu sous le choc. Comment peut-on rencontrer quelqu'un et en à peine quelques semaines, vouloir se marier avec la personne? Oh ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi te précipites-tu? Sais-tu quand même que le mariage n'est pas un jeu? Et qu'une fois marié, qu'on ne peut plus se séparer? Oui, je sais maman, mais ma décision est irrévocable. Achard et moi, nous nous aimons. Et nous n'aimerions plus attendre. On ira célébrer notre mariage dans une autre église. Oh ma fille, j'espère bien que tu n'étais pas en train de te tromper. Non maman, arrête de t'inquiéter pour moi. Je suis assez grande, et je pense que je suis en train de faire le bon choix de toute ma vie. D'accord Cécile. Bon, je venais de clôturer son dossier. À présent, elle est à moi, et on est mariés. C'est le moment maintenant, de lui montrer mon vrai visage. Car je n'avais jamais été chrétien auparavant. Moi, je n'aspire vraiment pas à avoir une seule femme dans ma vie. J'aspire vraiment au minimum à en avoir quatre. Je sais qu'elle ne sera pas contente, quand je lui annoncerai cela. Mais bon, elle n'aura plus le choix. Elle m'est maintenant soumise pour toujours. Chers frères et sœurs, en Christ, la partie 2 de cette vidéo arrive. Restez connectés et branchés les amis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Et votre frère André.